Le jour de son entrée à la fac, Liberty Lee n'avait qu'un seul souhait, que personne ne la remarque et qu'elle puisse enfin suivre un cursus normal. Depuis son plus jeune âge, elle était ce qu'on appelait une enfant précoce. Très précoce même, parce qu'elle passa son baccalauréat à l'âge de 13 ans. Bien entendu, ses camarades, plus âgés qu'elle, ne la comprenaient pas et, jeunesse oblige, n'étaient pas toujours tendres avec elle. Elle intégra alors un cursus LMD, licence master doctorat, en physique et réussit à terminer tout cela en 5 ans au lieu de 8. Pendant ces 8 années, elle rencontra tout un tas de gens plus incroyables humainement parlant les uns que les autres, qui lui permirent de s'épanouir tant et si bien qu'elle s'autorisa enfin à laisser ressortir toute l'excentricité qu'elle cachait en elle. Pendant ses études, elle rencontra Travis Scott, un étudiant qui avait 4 ans de plus qu'elle et allait bientôt décrocher son master d'informatique. Ils partageaient tous les deux une grande passion pour les jeux vidéo et les animés japonais et se retrouvaient assez souvent au club geek de l'université. Rapidement, une amitié naquit entre eux et Liberty sentit son cœur battre pour la toute première fois de sa vie. De son côté, Summer Holiday était la plus jeune fille du gouverneur de SimCity. Sa famille était très riche et avait beaucoup de relations. C'était une jeune fille très sociable, bien que pas très travailleuse. Tout ça ne l'intéressait pas vraiment. Elle avait été la coqueluche d'absolument tous les établissements dans lesquels elle était passée, public comme privé, et s'entendait bien avec tout le monde. D'après elle, les professeurs n'oseraient pas lui mettre de mauvaises notes, par peur des représailles de son père. C'est comme ça qu'elle fit toute sa scolarité. Malheureusement pour elle, cette fois-ci, son père en avait décidé autrement. Il lui imposa de travailler dur pour mériter sa licence, sous peine de la mettre à la porte et de lui couper les vivres. Summer n'en crut pas un mot et continua son train de vie comme si de rien n'était. Elle ignorait alors que, pour ce genre de choses, son père n'avait qu'une seule parole. À la fin de l'année, Liberty obtint donc son doctorat avec mention, et la NASA, ayant entendu parler de cette physicienne talentueuse, décida de lui proposer un emploi qui à terme pourrait même lui permettre d'être envoyée lors des vols orbitaux. Travis, de son côté, n'eut aucun mal à obtenir son master, et postula dans plusieurs entreprises en tant qu'ingénieur informaticien. Quant à Summer, eh bien, elle n'obtint rien du tout. Travis proposa à Liberty de devenir colocataire lors de leur entrée dans la vie active, ce qu'elle accepta bien évidemment, en gardant l'espoir secret qu'ils comprennent enfin ses sentiments. Tout cela était bien évidemment sans compter sur l'intervention inopinée de Summer, qui maintenant sans le sou avait entendu leur conversation et s'était incrusté pour leur demander s'ils ne l'accepteraient pas également avec eux. Après tout, elle cherchait un endroit où vivre et eux ne devaient pas rouler sur l'or, donc un salaire de plus dans le foyer leur serait certainement bénéfique. Et puis, elle trouvait Travis très mignon. Travis accepta, et puis, il trouvait Summer plutôt sympa. Et c'est ainsi que Liberty Lee, 18 ans, Travis Scott, 22 ans, et Summer Holiday, 20 ans, un trio aussi déroutant qu'inattendu, se mit à vivre ensemble dans une maison de banlieue de Willow Creek. Salut à toutes et à tous, c'est Petit Poppy. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur les Sims 4. Avec le format Une histoire de Sims, j'ai eu envie de vous présenter les différents foyers du jeu tels que EA les a créés à l'origine. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu le foyer Pancakes, je vous invite à aller regarder la vidéo. Cette fois-ci, ça va être autre chose, forcément, puisqu'il ne va plus s'agir d'un couple, mais d'une sorte de colocation. Allez, trêve de blabla, il est temps de passer au let's play. Alors, on va s'intéresser au foyer Amis pour la vie. On va d'abord lire la description. Quand on clique sur le panneau d'information du foyer, on a
L'intrépide Liberty, la joyeuse Summer et le geek Travis sont des amis improbables que rien ne peut séparer. Sauf peut-être les sentiments que développent Summer et Liberty pour Travis. Alors, Summer Holiday, c'est une fille qui a pour aspiration amie de tous. Elle est joyeuse, active et extravertie. Liberty Lee a pour aspiration cerveau exceptionnel, comme vous avez pu le voir dans le machinima d'ailleurs. Elle est geek, rat de bibliothèque et maladroite. Quant à Travis Scott, il a pour aspiration génie de l'informatique. Il est geek, sûr de lui et extraverti. Et nous allons commencer tout de suite. On plonge dans le gameplay. C'est parti. Donc nous venons d'arriver en jeu. C'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont comme envie, ce qu'ils font comme métier. On va commencer cette fois-ci par Liberty Lee. Alors, Liberty Lee, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a pour aspiration cerveau exceptionnel. Il faut qu'elle finisse de lire 3 livres, ça va aller. Atteindre le niveau 3 de la compétence logique, elle est déjà au niveau 2, donc ça va le faire. Carrière, elle est astronaute, effectivement, puisqu'elle travaille pour la NASA. Pour le moment, elle n'est que nettoyeuse de modules. Compétence, elle n'a que logique. Relation. Nous avons donc évidemment Summer et Travis. Alors, on peut voir qu'elle les connaît, mais concrètement, c'est pas des amis de fou, quoi. C'est-à-dire que de base, il y a un foyer qui s'appelle Amis pour la vie, et ils se connaissent à peine, quoi, les gars. C'est... Bon, bref. Bref. On va maintenant passer à Travis. Alors, Travis, son aspiration, s'entraîner à programmer pendant 5 heures au total, ça on va le faire. Jouer aux jeux vidéo pendant 5 heures au total, on va le faire aussi. Sa carrière, il est gourou des technologies, pour le moment il est assurance qualité et il veut devenir forçat du code. Jouer aux jeux vidéo, ça tombe très bien. Compétence, jeux vidéo programmation, oui c'est tout à fait logique. Relation, encore une fois, tout pareil. Et maintenant, passons à Summer. Summer, qui est amie de tous, se présenter à 10 Sims, avoir 3 amis. Elle est longue. Cette aspiration, elle est longue à faire. Elle est très longue à faire. Bon, on va faire au mieux, histoire qu'au moins, on essaie de passer une étape d'aspiration. Mais bon. Carrière. Alors, Summer n'est pas diplômée. Donc, Summer fait un petit peu ce qu'elle peut. Là, pour l'instant, elle est dans la carrière culinaire. Elle est lave-vaisselle en chef. C'est pas mal, n'est-ce pas? Mais ça pourrait être mieux. Traiteur, ouais, pourquoi pas. Préparer à manger, préparer des boissons. Summer, c'est toi qui vas t'occuper de faire la popote à la maison. Compétences, cuisine niveau 2, jeux vidéo niveau 1, mixologie niveau 2 et relations. On va regarder également leurs envies. Alors, de quoi as-tu envie, Liberty? Améliorer sa compétence bricolage, ok. Acheter une ruche, ils nous enquiquinent avec leur ruche, hein. Ils veulent tous acheter des ruches, même si c'est pas du tout dans leur personnalité, ils veulent tous acheter des ruches. Chercher des informations sur les vampires. Écoute, sincèrement, oui, d'accord, on va faire ça, Liberty. Travis, donc lui, s'entraîner à programmer, nous allons le mettre de côté. La ruche, encore une fois. Et chercher des informations sur les vampires. Oui, parce qu'ils sont fans tous les deux de jeux vidéo, animés, machin. On peut dire qu'ils imaginent que les vampires, voilà. Summer, elle a envie... Non, pas d'acheter une ruche. Elle a envie de discuter avec quelqu'un, oui. Et elle a envie de discuter avec Travis, c'est parti. Alors le but, clairement, de ce let's play, ça va être de savoir, paraît-il, les filles sont toutes les deux attirées par Travis. Notre but va être plutôt de savoir si Travis est attiré par une des deux filles. On va voir ça. Alors, eh bien, nous y allons. Elle, tout va bien. Lui, tout va bien. Elle, elle a faim. Elle a envie de discuter et discuter avec Travis. Et bien, on va le faire tout de suite. Ils vont discuter tous les deux et ils vont se plaindre de la pluie puisqu'il est en train de pleuvoir. Travis va discuter et elle va venir dans la chambre de Travis et elle va chercher des informations sur les vampires. On est mieux dehors, on est mieux dehors. Oui, il est très joli ton parapluie. Ok, donc maintenant elle a envie d'être drôle avec Travis et elle a envie de prendre un jour de congé. Ma foi, nous allons être drôles avec Travis et raconter une histoire drôle. Et nous allons prendre un jour de congé. Liberty, aller au travail en étant concentrée. Je te le mets de côté, ma belle. On va le faire. Alors, toi, tu as envie de finir 3 livres et améliorer la compétence logique.
Je n'ai pas de table. Peut-être devrions-nous acheter une table. Dans le jardin, il n'y a pas de table non plus. Ou alors on va aller à l'extérieur. Mais comme il pleut, ce serait mieux que tu lises plutôt quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. Toi, fais à manger plutôt. Fais-nous du vrai manger, je veux dire. De la vraie nourriture. Déjà, on va aller jouer sous la pluie. Jouer sous la pluie. Et puis, tu vas nous faire à manger. À manger pour tout le monde. On va cuisiner. Summer, c'est une sportive. Alors, je me dis qu'elle fait plutôt des choses saines. Elle va faire soit de la salade, soit une salade de fruits. Allez, une salade de fruits pour le groupe. Pouk. Lui, il cherche des infos. Elle, elle a joué sous la pluie. Elle est contente. Jouer dans une flaque de boue. Bah non, Summer, tu es propre, toi. Tu es propre, tu n'aimes pas ce genre de choses, dit-elle en mettant de l'eau partout en rentrant chez elle. S'entraîner à programmer, il faut qu'on s'entraîne à programmer pendant 5 heures. Donc on va le faire maintenant. Programmer. Ah bah le travail de Summer commence dans 1 heure. S'entraîner à programmer. Liberty, tu as lu quelque chose? Tu ne veux pas lire? Si tu veux lire, va lire quelque chose. Et Summer, étant donné qu'elle voulait prendre un jour de congé, ben on va le faire aujourd'hui, on va le faire dès à présent. Prendre un jour de congé. Hop. On a combien de jours de congé? 3, va peut-être pas falloir exagérer non plus. Hein. Et il s'entraîne, a pris un jour de congé. Amusez-vous bien. Oh, il a envie d'être amical avec Liberty, on va le faire. Liberty, pour l'instant, elle est en train de lire. Ça, on va le mettre au frigo pour le moment. Summer mange, elle a envie, non, toujours pas. Elle a envie de rencontrer une nouvelle personne. Elle a envie d'acheter une ruche. Liberty n'est pas une nouvelle personne. S'entraîner à parler devant un miroir. Très, très bien. Nous allons faire ça. Le travail de Travis commence dans 1 heure environ. Et il a envie de devenir confiant. Eh bien, allons-nous brosser les dents, j'ai envie de dire. Est-ce que j'ai avancé un petit peu ici? Pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. Se présenter à 10 sims, c'est fou. C'est long à faire en plus. Summer a donc parlé devant son miroir, lié une amitié avec qui? Avec Travis, hein, plutôt qu'avec Liberty, c'est pas vraiment sa grande amie. Peut-être qu'on pourrait essayer de faire venir des gens ou nous-mêmes d'aller faire un tour dans la ville. On va faire ça. Travis, lui, va travailler dur. Liberty va bientôt terminer son bouquin. Pour l'instant, on va aller se présenter à des gens. Où en es-tu, Liberty? Liberty a terminé. Du coup, nous allons aller lire un deuxième livre. Voilà, elle s'est présentée à une personne. Parler de la pluie, on va essayer de devenir amie avec elle. Complimenter sincèrement. J'aime beaucoup ta tenue. Je trouve que cette robe va très bien avec ses chaussures. Vraiment, vraiment, vraiment. Liberty travaille dans 30 minutes. Nous allons aller faire un petit pipi. Et elle voudrait partir au travail en étant concentrée. Alors, nous allons aller rencontrer Mila. Mila Munch. Présentation amicale. Et elle veut devenir inspirée. Peut-être qu'on pourrait regarder les nuages avec Mila. Bonjour Mila. Un collègue en est à sa 17e heure de travail et à sa 24e boisson énergétique. Et cela commence à sentir vraiment mauvais dans le service accu. Comme personne ne va pouvoir rentrer chez soi de sitôt, Travis a deux options. Dégainer le déodorant pour homme en aérosol ou dire à la boule puante à côté de lui d'aller se laver. Travis est sûr de lui, ce qui veut dire que je pense qu'il est du style à dire la vérité à la boule puante. Malheureusement, Boule Puante n'a pas sa langue dans sa poche et Travis en fait les frais. Pendant que Boule Puante lui inflige une grande diatribe contre lui, les autres testeurs en profitent et enregistrent plusieurs bugs que Travis aurait pu découvrir. Eh oui, perte de performance petite. Dommage Travis, tu vois, c'est pas toujours bien de dire ce qu'on pense. Liberty part au travail. Pendant ce temps, Summer est énergisée. C'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Tiens, on va rencontrer ces gens-là. Présentation amicale et présentation amusante. Voilà, voilou. Liberty part travailler et Liberty travaille dur. Et de 3, devenir inspiré, lier une amitié. Peut-être avec Marcus, peut-être. On pourrait regarder les nuages. Regardons les nuages. Demandez de regarder les nuages. Marcus, ça te dirait de regarder les nuages? Il fait si beau. Katrina qui est en train de se balader, les fesses à l'air. Attention de ne pas t'enrhumer, Katrina. Elle n'est toujours pas inspirée
Crotte de Bic. Présentation amicale. Bonjour Nalani. Parler de la pluie. Il s'en va. Donc en fait, clairement, à chaque fois que je parle à quelqu'un de nouveau, celui d'avant s'en va. Personne ne veut rester avec moi sous la pluie. On en est à combien là? Se présenter à 10 sims. 4 sur 10. Et ben on est loin du compte. Summer a gagné 128 simflouz pendant sa journée de congé. Ça, c'est très très chouette. Elle n'a plus l'air d'être touchée par la pluie. C'est marrant ça. Elle dégouline plus comme tout à l'heure. Ça y est, on a un ami. Enfin, une amie plutôt. Trévis a ramené 342 simflouz à la maison aujourd'hui. De plus, il a réalisé une excellente performance au travail. Super. Elle a envie de discuter avec quelqu'un. Nous verrons ça juste après. Lui, il a besoin de jouer sous la pluie. Malheureusement, la pluie vient de s'arrêter, n'est-ce pas? Et puis, nous allons jouer aux jeux vidéo. Puisqu'il a envie de jouer aux jeux vidéo. Et même pour là, il a besoin de jouer.